c'est une question qui s'adresse plutôt à des éditeurs, c'est bien évident. Donc moi, ce que je me bornerai à faire, c'est témoigner. Je pense que l'internaute a raison de s'interroger, ce qui veut dire qu'il a des doutes. À l'inverse, moi, je peux témoigner qu'il existe des éditeurs, peut-être trop rares, mais qu'il existe des éditeurs pour lesquels le souci commercial, entre guillemets, ne prime pas. Je veux dire par là que ce qui prime avant tout, c'est la qualité des livres supposés être publiés. Et ça, ça se reconnaît à quoi ? Ça se reconnaît au fait qu'un éditeur, ces éditeurs-là, ont un comité de lecture, ce qu'on appelle un comité de lecture, c'est-à-dire ce qui, pour nous, est le cœur des éditions scientifiques en termes d'articles, de publications, de recherches, c'est-à-dire des comités de lecture sont composés de gens qui examinent le travail et qui disent oui ou non sur la publication. Donc autant, et je peux en témoigner, moi j'ai un éditeur que je ne citerai évidemment pas, qui a longtemps m'a dit l'essentiel c'est d'occuper le terrain. Voilà. Alors il y a des éditeurs comme ça, hein, qui sont des marchands de soupe, n'ayons pas peur des mots, mais vous avez heureusement des éditeurs rares, trop rares, pour qui ce qui prime avant tout, ce qui conditionne la progression d'un projet éditorial, c'est la qualité du travail du document en question. Donc il ne faut pas être trop pessimiste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, je rejoins vraiment ton analyse. Enfin, moi, je voudrais aussi juste témoigner aussi, parce que je suis aussi auteur et je ne suis pas du côté éditeur. Et en fait, moi, la question m'a surprise, en fait, qu'on puisse mettre en doute l'espace de liberté chez un éditeur. Alors moi, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience non plus. Moi, j'ai toujours été avec le même éditeur. Et je dois, enfin, moi, je me sens vraiment extrêmement libre, quoi. Je peux parler de ce que je veux. Si j'ai une idée de bouquin en tête, bah, j'en parle avec le contact privilégié que j'ai. Et puis, bah, on me dit oui ou on me dit non. Et en général, on me dit oui. Même, enfin, il y a aussi quelque chose de très humain. Je pense qu'on me fait confiance, je fais confiance. Et puis, voilà, donc, ça m'est déjà arrivé d'aller voir ce contact et puis lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Puis au bout de 10 secondes, il dit, bah, oui, fais-le. Bah, attends, je ne t'ai pas dit, bah, si, non, mais vas-y, fais-le. Ça va. Et voilà. Donc, il y a peut-être des endroits où ça se passe différemment, mais en tout cas, moi, je suis un auteur libre et heureux.